Guide complet des défis groupe de pacification partie 4. Gagner le jeu d'arcade à la crête des dérapages ou à Kenjutsu Crossing. Alors pour réaliser ce défi, vous avez deux emplacements possibles. Donc le premier emplacement, c'est juste ici sur le gameplay. Ou alors il y a un deuxième emplacement qui se trouve à Kenjutsu Crossing, plus ou moins par ici dans le bâtiment. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver la borne d'arcade. Donc elle est affichée par un point d'exclamation comme vous pouvez le voir. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement réaliser le jeu. Donc vous allez près de la borne d'arcade, vous interagissez avec, et là vous allez devoir déplacer le petit point vert vers le X en utilisant les flèches qui sont assignées. Donc voilà, dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Se déguiser pour infiltrer les invisibles. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux emplacements possibles, toujours à Kenjutsu Crossing juste ici, ou alors vous avez un emplacement juste ici. Donc moi je vais me rendre à cet emplacement parce que c'est plus proche. Ok, donc quand vous arrivez à cet emplacement, vous avez un point d'exclamation, vous avez juste à interagir avec la box pour vous déguiser. Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Parlez à Matassin ou Renzo le Ravageur en portant un déguisement. Donc quand vous avez votre déguisement, vous allez à Brutal Bastion, juste ici, ou alors vous allez à Kenjutsu Crossing. Donc moi je vais aller à Brutal parce que je suis juste à côté. Et ensuite il faudra impérativement avoir votre déguisement et puis parler au personnage. Ensuite vous continuez la conversation et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Gagnez le jeu d'arcade à la station de Souverain ou à la barge de la banquise. Donc là pour réaliser ce défi, vous avez deux emplacements comme vous pouvez le voir sur le gameplay. Moi je vais aller à Breakwater Bay, donc juste ici, et là vous allez devoir tout simplement réaliser le jeu de la borne d'arcade. Comme on l'a fait en début de vidéo, vous cherchez le point d'exclamation et ensuite vous interagissez avec la borne d'arcade et vous utilisez les flèches pour diriger le point vert sur le point X. Ok, deux fois à gauche et deux fois en haut. Voilà, dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Détruire les brouilleurs de signaux, des balises et les activer. Donc pour réaliser ce défi, vous avez trois emplacements possibles, donc Anvil Square, ici à côté de Slappy Shore et en dessous de Mega City. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement interagir avec, ces brouilleurs de signaux. Donc vous les cassez. Oups, je me suis trompé de touche. Voilà, vous les cassez comme ceci. Ensuite, vous les activez et vous allez devoir le faire aux trois emplacements que je vous ai montrés sur la map. Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur. C'est